admirer un peu la vue, mes amis. Hein. Si on y arrive. Oh là là. C'est fabuleux quand même. Magnifique. Ah là là, l'avenir de l'humanité, il est dans les airs, c'est clair, mon pote. Ça, c'est une putain d'idée, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Bon, en même temps, on... ouais, je sais pas, pour la pollution et tout, mais... ah, c'est magique, quoi. Un petit succès touriste, hein. Ah, il y a à bouffer, là, non? Même pas. C'est bon, calme-toi. Tu veux quoi? Tu veux du feu? On se casse, mes amis, hein. Ouais. C'est parti. Ouais, alors, la difficulté, c'est vraiment difficile, hein. Ouais, faut vraiment, faut que je fasse plus gaffe. Bah, faut que je m'habitue entre fire, tout ça. Les ralentis et tout, c'est pas le même style là. Là, c'est beaucoup plus dans l'action, hein, c'est direct. Les objets rares et beaucoup de posards de les lancer pendant les combats. Yes! Centre d'accueil du mémorial. Chez l'oiseau quoi! Ah, y a un truc qui est intéressant là-bas. Je crois que je vois une serrure là-bas. Ouais. T'arrives à déverrouiller? C'est quoi? C'est des générateurs de... ça pue, ça. La porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. Bon, je suis à fond. Attends. Le mémorial, bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'armée? Expliquer aux enfants les bases du devoir, ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est toi, ça? Non. Bien, Lyon 4. Bon, tu m'as fait cette serrure ou... ah, il faut lui dire en fait. Tu peux déverrouiller ça? Ça, je peux le faire. Cool. Voilà. Si, ça fait toujours plaisir un peu de thune, hein, d'accord. Hein. Peu de mule, j'avais besoin de rien acheter là en plus. Ok, munitions, je suis à fond les ballons. Ah là, il y a ça que je voulais. Cette fois-ci, on va prendre cristaux. Je me sens déjà mieux. Qu'est-ce qui se passera si on nous trouve là? On dira qu'on s'est perdu en cherchant les toilettes. Et ça marche ça? En général, non. Tu m'étonnes, y'a personne. Oh! Tout ce qu'il y a. Booker, prenez ce crochet. Attends, je vais prendre la carabine. Là. Oh, c'est bon ça. Quoi, y'a une alarme là? C'est quoi? Putain, y'a tellement de trucs, mec. Chez les Comstock, les journées étaient simples. Le travail était dur, oui, mais simple. Essorer le linge, récurer le sol. Ah, Madame Comstock nous glissait même parfois une gentillesse. Ça aurait presque pu suffire à me faire croire que j'avais ma place dans leur monde. Mais Dieu a créé les ingénus pour être sûr de ne jamais s'ennuyer. Ok. En gros, il faut trouver 5 crochets. Merde. Il n'y avait pas un bouton pour l'inventaire ou... le journal, non? Je sais pas. Je sais plus s'il y avait un inventaire. Bon, en tout cas, faudrait que je revienne ici, mes amis, retrouver des 5 crochets.
Putain, il est hypnotisant ce jeu, mais laisse tomber quoi, t'es... Je... Alors je suis là où il y a le centre, okay, c'est à droite, en bas, là. Alors, vous pourriez forcer le passage? Ouais, ouais, je peux essayer. Attends, je vais quand même regarder s'il y a bien des trucs. Ouais, on est à fond, là. Allez, on y va, allez, ouais. Merde. C'est quoi, ça, non? On va essayer. L'électroquartz, le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Utiliser le distributeur de cristaux. Alors, on admire un peu ce machin. Putain, allez. Bon. Ok, merci. Ok. Soldier Field. Champ soldat. Nous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Booker. Oh, très bien, Booker. Ah oui, attends. Vous voulez rejoindre la nacelle ou vous promener sur la jetée? Je suis sûr que nous trouverions des choses utiles par ici. Alors, enfin, touriste encore, hein. Désolé, mes amis, c'est l'épisode un peu touriste, là, maintenant. Bon. Alors. Soyez crainte, bon citoyen de Columbia. Bon. Oh, qu'est-ce? Le vrai patriote n'a rien à craindre de Songbird. Ok. Je suis passé. Ah oui, c'est celui qui m'a... poursuivi. Ah, mais justement, on va un peu se balader. Ice cream shop. La crème glacée de Columbia est une merveille culinaire. Je peux débuter ou pas, en fait? Goûtez-la donc. vas-y, pourquoi pas. Hey, j'ai travaillé dur pour ça. Ah ouais? Pas grave. Bizarre ce bruit. Désolé, mec, mais... Désolé, mec, mais... Oh mon dieu! Encore. Pas de soucis, je les attends. Toi, c'est bon, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur... Et lorsque je suis arrivé à Washington, peu de membres du Congrès partageaient ma vision pour Columbia. Mais la lourde tâche du prophète n'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux? Car qui suis-je, si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu? Vous battez, je vous assure, c'est un truc